dire pour leur faire engager à une telle condition. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas très très important ça. Non, non, le mec il fait son délire bien, quoi, tu vois. Il ouvre son parachute en fait, le mec, ouais, tu vois. Ouais, mais visiblement, ça il aurait vendu il y a 10 ans, ça lui aurait porté beaucoup plus, hein, parce que là, il va vendre, on va dire, 800 000 balles, ou 900 000. Non. Juste le bâtiment. Ouais, le bâtiment, mec, si tu veux. Je veux dire, il va vendre sa merde, mais pour conclure et tout, ça lui coûte presque la moitié, donc il va peut-être lui rester 500 000 balles. Ouais. Parce que pour fermer tout le bazar, pour clôturer les comptes, il m'a dit que ça, voilà, ça, t'arrêtes pas le bazar comme ça, quoi. Enfin bon, bref, ça lui ouais, c'est pas l'affaire du siècle, mais il se débarrasse d'un truc qu'il sait pas gérer, quoi. Tu vois, genre, ah merde, c'est tombé le brouillard, là. Tout à l'heure, il y en avait pas. Quoi ? Non, c'est dit que ça devient... Ouais, mais c'est sympa comme ça, là. Mais il y a du bon, hein. Ouais, je sais pas, il fait zéro, donc... Ouais, il est pas le thermostat. C'est un peu grassouillé quand même, hein. Fin mars, une semaine.
une semaine, je pars. Ce serait. Je sais pas, il faut d'abord que je règle mon histoire ici. D'abord que tu règles ta mère. Ouais. Ah, cela dit, ça va bien tomber, tu auras le temps de gérer ça. Ben écoute, là j'ai eu l'assistante sociale qui a lancé le la procédure de. Comme quoi je m'occupe de ses biens en fait, tu vois. Ah oui, là. Ouais, gérant des biens, hein, tout ça. Donc moi je vais m'occuper de ça. Donc, normalement je dois avoir rendez-vous avec un juge. Parce que là aussi. Ouais. Là aussi, il y a 15 000 balles. Il y a 15 20 000 balles aussi. Hein. Ouais. Hein? Ouais, c'est ça quoi. Ouais, j'ai avancé, j'ai payé les loyers, j'ai payé l'hôpital et toutes ces merdes. Ça, c'est bon pour les sous par terre là. Sincèrement, ça pouvait pas mieux tomber, c'est ce qu'on disait avec Corinne, ça pouvait pas mieux tomber. Parce que ça allait arriver. C'était dans le tuyau, je le savais. Ça pouvait pas mieux tomber. Et puis le soutien que j'ai, franchement, c'est fort. Et là, j'ai l'impression, bon, ok, je vais être honnête avec toi. Je crève de mal, hein, avec cette histoire. Avec l'autre. Ouais, je crève de mal, mais putain, qu'est-ce que je suis content. Ça s'arrête, là, parce que ce que j'ai mal maintenant, j'avais de toute façon mal. J'avais déjà choisi il y a 12 ans, tu vois. Oui. Et mon choix est le même. Il n'y avait plus de doute, quoi, tu vois. Oui, c'est vrai que j'ai revu. Ouais, là, foutu le bordel dans ma tête. Mais bon, voilà, c'est tout. Quoi. Le bordel dans ma tête et mon cœur. Bon, voilà. Enfin bon, ça, je dis pas que je m'en suis débarrassé. C'est pas vrai. Déjà quand tu communiques plus, tu vois, c'est. Ah ouais, j'ai ça. Ouais, non, c'était plus possible. Hein, c'est aussi, ouais. Ouais, j'aime pas te parler ça au passé parce que j'ai pas l'impression que ce soit fini, définitif. Mais. Je me suis senti bien de pouvoir encore avoir ce genre de. Maintenant, tu seras peut-être un peu plus dans la rue si la semaine prochaine, tu vas faire un autre déficit. Ah, je ne laisserai pas ça. Faut que je m'interdise. Par contre, je trouve que votre couple est de plus en plus solide. Ouais, parce que voilà. Peut-être qu'il y a ça aussi, hein, tu sais. Parfois, tu vois, t'as le trésor juste à côté de toi et tu t'en rends pas compte. Mais c'est peut-être ce genre d'événement-là qui te fait te rendre compte que, voilà, le trésor, il est là. Mais je me suis jamais éloigné de toi. L'autre, elle avait un problème avec Corinne. Hein.
parce que la nana est super intelligente, super cultivée, super sexy, mais elle capte pas quoi, tu vois. Jours, ça a été terrible et horrible, tu vois. Mais déjà aujourd'hui, c'était un peu mieux, quoi. Bon, bon, il faut dire aussi que je pense aussi un peu à l'ultime, mais bon. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ben, parle-moi un peu de toi aussi, hein. Parle-moi un peu de toi. Bon, la merde, c'est toujours la merde, donc. Ouais, ça c'est un peu chiant par contre. Ouais, si vous allez vers la gauche. Ici? Non? Je sais pas si c'était un chemin ça. Hein. Non. Pourtant ça s'annonçait un peu. Ça s'annonçait bien. Ça s'annonçait genre sympa, mais là c'est les trains donc. Et par là ça passe. Ça passe pas. Ça passe pas. Allez, donc gros problème de dos, mes sports là, tu vois, c'est pas ouais. Fini, je crois. Aïe. Et il faut pas le faire alors. Fais gaffe, t'as une branche là dans la roue là. Arrête-toi, arrête-toi, sinon tu vas abîmer là. Mais Fanny, elle va quand même voir son grand black quand même. Putain, c'est moche ça. Ah, mais si tu fais la picole tous les soirs, c'est mais clair. Moi, oui. Ouais, quand tu peux pas, tu peux pas. Hein. Attention, ça va casser le carreau, ça. Et donc elle est restée jusqu'à vendredi. Vendredi elle avait un examen, elle a un nouveau. Elle s'en est sortie avec une grande distinction à chaque fois. Elle est impressionnante d'ailleurs. Ah ouais, elle adore étudier. Et en fait elle est comme ça. c'est un genre de truc que moi je déteste. Et puis non, sinon on ne fait pas chose, sincèrement. Ouais. Ça va si tu les enchaînes pas, ça va. Mais si tu commences à les enchaîner semaine comme ça, c'est un peu con. Quoi. Surtout que tu étais dans une bonne dynamique. Ouais, c'était bien parti. Je te dis que mon mal au dos, ça m'a complètement touché. Bah ouais, ça joue sur le moral. Hein. Ouais, mais on va pas trop chercher parce que si on cherche, on va se perdre. Il faut, c'est pas enchaîner tes semaines comme ça, full time. Hein. Je travaillais quasi à la maison et en déplacement chez les clients. C'est super bien.
bien. Bah ouais mec, c'est comme ça, fais-toi plaisir. Donc voilà, je propose d'en parler pendant le travail, c'est pour que ça va. Fais-toi plaisir. Sinon je porte zéro. Par contre, moi j'étais dans le courage hein, cette semaine. Ouais, toi t'es parti au tournée, t'as fait un nouvel emploi. Ce qu'il faut, c'est. En fait, c'est ça qui me sauve. Hein. Je te jure, hein, sans ça, je gamberge. Hier matin, j'ai pété mon temps. Mon tour du matin. Et avec ce vélo qui est plus lourd qu'avec l'autre. Et en mode hiver, alors que l'autre c'était en mode été. J'ai poussé comme un porc. La semaine passée, j'étais tellement mal. Ça allait tellement pas dans ma tête. J'avais chargé tout le bazar pour, tu vois, pour venir. Et puis je vois le message. Tu vois, merde. C'était parfait. Tu m'as dit que t'as... Ouais, j'ai bourré, mec, je crois. Que... Ouais, mais c'était trop, là. Je pensais que j'allais crever, en fait. J'ai perdu 2 kilos. C'est fou. Toute la journée j'ai été mal parce que j'avais été trop loin. Tu avais fait quoi? Non, gas bake là, tu vois le truc qu'on avait fait une fois à deux mais où on a arrêté. Oui, ton cours, ouais. Mais j'avais fait dans le sens inverse. Coup, là, où j'ai jamais été au bout de ouais. J'ai fait le sens inverse au fait. Et en fait c'était très très dur parce que tu commences vraiment dans la difficulté et ça ne s'arrête jamais en fait. Dans ce sens-là, c'est beaucoup plus dur. Enfin, en tout cas, ça m'a tué, quoi. Et je suis arrivé vidé. Mais ma tête, ça n'allait pas, donc, tu vois. Quand la tête va pas. J'ai picolé mercredi. Ouais, c'est ça quoi. Mais allez, j'ai fait 2 écarts. Mais le matin, j'allais à vélo, hein, avec la gueule de bois et tout, j'y allais. Quoi. Tu vois. Il est plus qu'officiel ce demi-tour. C'est un demi-tour, mais de l'officialité. Par contre, il y a un truc là, ça te dit là, à droite là? Why not? Petite piscine? À tourner en rond dans ce truc chez ces bourgeois de merde. Hein? Non mais là on va se faire chier à tourner en rond hein. Tu pars bientôt skier, non? Mois de mars?
T'as pas un réglage suspension, mettre moins de pression à tes pneus. Tu vois, descendre un peu la pression, hein, mettre. Non, c'est vraiment quand t'as des chocs ou que tu te saisis, tu vois. La traction musculaire et bing. Une décharge. C'est pas du tout ici où je voulais arriver. Bon, on y est arrivé quand même, hein. Ouais, mais je voulais arriver par là. Je voulais arriver par le long de l'autoroute. Hein. Par le... Reine Elisabeth. Super caillant. Je suis parti à 7h, il faisait 1 ou 2 degrés quoi. Ah, tu vois mieux, j'ai vite chaud aussi. Hein. Pose pas de questions, je pense que c'était vendredi, je pense qu'il pleuvait mais grave quoi. C'est le seul moment où tu peux te dire ouais non j'y vais pas, je vais en ligne directe, rien à foutre. Je fais le truc. Ouais. Je rentre direct, ouais. Bah ouais hein. Pas la je vais la voir mercredi dimanche. Non, c'est plus possible. Pour aller là-bas, c'est impossible. C'est un autre bout de Bruxelles, traverser Bruxelles, il faut que j'aille en bagnole. Si j'aurais pu aller en vélo, tu vois, c'est pas loin du boulot, mais je peux pas laisser mon vélo, quoi. Et puis c'est bien comme ça aussi, tu sais, franchement. Être honnête avec toi, c'est même bizarre, tu vois, là. Je sais pas, c'est pas que j'ai oublié ma mère, hein, parce que je lui ai raconté aussi tout le bazar quand elle est venue, quoi. C'est pas que j'ai oublié ma mère, mais avec cette histoire, j'y pensais nettement moins, tu vois. Et ça m'a fait du bien, et peut-être que je me suis aussi accroché à ça, en fait. Je sais pas, j'essaie de me trouver des excuses sur ce qui m'arrive, en fait. Bah, je sais pas, ouais. Ou alors je suis un gros con et puis point barre, je sais pas. Quoi que je pense pas que je suis un gros con, parce que mine de rien, ce qui était à l'intérieur, c'était sincère, quoi, tu vois.
Vous savez ce qui va me faire du bien? Les vacances avec ma petite femme, mon fils. Je vais aller voir mon Ventoux. Je vais aller chialer sur ses pentes et puis voilà. Ça va me faire du bien. Oh, peut-être cet été. Un petit... En espérant. Non, mais non, c'est pas possible. Trop froid et puis là j'ai perdu le poids mais j'ai pas musclé quoi tu vois donc ça sert à rien. Tu perds le gras mais si tu le gras tu n'as pas remplacé par du muscle tu feras pas de perf. Ouais mais c'est qu'une heure ça. Tout droit ou on bascule de l'autre côté? Bon, franchement, je m'en fous. Hein. Là-bas, on rejoint la ville. De l'autre côté, on rejoint la ville de Waterloo, toutes ces merdes. Salut. Par là, c'est la hutte, mais ça veut dire construction, ça veut dire. Sinon, on fait. Ouais, c'est surtout le retour, faut pas que ce soit chiant quoi. Faut surtout gérer le truc. Hein. De toute façon, on peut prendre le petit, on peut aller jusqu'au château, on prend le petit chemin de Bago là. Et lui, qu'est-ce qu'il devient? T'as des news? Et t'as des news de Bago? Ouais. De Pierrick, t'as des news? T'as des nouvelles de Pierrick? Non. Ça va pas être la grande saison, bah ça dépend, tu sais si tu livres ou pas. T'as des livraisons chez eux? Non. Allez-y, tranquillou. On prend le single là? Ici, hein.
Vas-y, go. À toi, ma caille. Va. Passe. Ça, je vois ton petit cul. C'est sympa comme temps, hein. Le temps, c'est pas mal. Ça descend, donc c'est sympa. Vous dire, hein, tu peux tourner dans ce bois, toujours super chouette quand même. Hein. Bon, sauf les longues lignes droites, parfois elles sont casse-couilles, mais bon. Ça ouais. Ouais, à mon avis on doit pouvoir monter hein. Mais ça a l'air raide hein, sur le côté là. Ouais, essaye. Mais c'est raide hein, ce sera à pied ça hein. Ça c'est à pied hein. Ben à mon avis, dans l'autre sens, ça passe. Hein. Et en plus, t'as un fossé là. Ça dépend de ton dos, ma caille, parce que ça monte à pied, ça monte pas à vélo. Hein. Ça monte pas à vélo, hein, ce truc. Bon, on monte par là. Salut. C'est ce que j'aime. Hein. Ouais, non, on va prendre ici dans le. Ouais. Oh putain.
Le dos, ça va? Ah, tout à l'heure. Ouais, ça aurait été dur quand même, tu sais. Ça aurait été dur quand même. Je sais pas, peut-être. Non, je pense pas. Non, je suis déjà sous... Non, j'aurais pas pu. Je suis déjà sous la... Petit plateau Grand Pignon. Par contre, ben là on arrive à l'obélisque. Ouais. Donc on tire par où? Parce que là c'est barbelé là. Tu vois? En mode indien comme ça. Là, on peut essayer de passer, c'est garanti qu'on peut essayer. Je sais pas. Je sais pas si c'est électrifié ton truc. Hein. Okay. Il y a un chemin là. Ça va aller pour passer le bike? Au fait, il y a un chemin juste là, en fait. Ouais. tu me prenais comme pas, ça. Je sais pas, bon, bon avis, soit plus bas. On va avoir les deux vélos qui vont débouler. Ouais. Putain, fais gaffe. Fais gaffe, c'est de la ronce, ça va t'arracher le cuissard, ça. Mais soit on le monte, on tombe sur l'obélisque. Si on descend, je sais pas où on va en fait. Moi non plus. Là on va monter puis... Parce que ça peut être sympa hein, le petit truc, mais je pense que ça redescend et que ça rejoint le chemin qu'on a. Bah au pire, on le remonte après. Allons-y. On le descend. Soyons fous. Soyons fous. Journée découverte. On the road again. Quoi? Il y a quand même de la branche ici. Hein. Remonter ou redescendre? Écoute, on verra mieux d'en haut. On va aller voir en haut. Hein? Mais pff, ça part un peu dans tous les coins. Hein. Ouais, c'est écoute, on verra bien. Ouais, mais ça part dans tous les sens. Ouais. Écoute, on pire. Tu vois, je sais pas ce que j'ai pris en tout cas. C'est la racine. Bah, une racine. Ça sent bien bouillie. C'est sur la caméra. Ah, c'est pas grave ça. C'est fait pour ça, c'est pour se souvenir des gamelles. Un partout là-bas, le centre. Putain, là, j'ai volé mon vieux. Je l'ai même pas vu venir, tu vois. Ah ouais, j'y allais franco en plus. Ouais, hein. En mode bonheur, quoi, le mec heureux de la vie. Le mec heureux de la vie, tu vois.
ça va faire dans l'autre sens. C'est là, tu n'essayes même pas, je veux dire, ça, à la limite en descente, tu passes. Hein. Mais pas en montée. Celle-là, c'est pour la descendre. Hein. Parce que c'est propre pour descendre. Hein. En fait, nous on a remonté là. Et on repart par là. On va essayer ça, je pense. Mais je pense qu'il faut la descendre en fait, celle-là. On peut se la faire ninja par là. Vas-y, passe. Casser la gueule, hein. Il faut essayer d'éviter les trous là. Il faut encore les voir. Hein. Oui, j'adore ça, moi. Quand c'est le bouzouf comme ça, moi j'aime bien. Hein? Ouais? Bah ouais. Ah non, t'es pas crevé, qu'est-ce que tu racontes? Devant? Ouais. Bon, commence pas à penser à ça. Hein. Et c'est ça que j'aime bien. On est trop tard, j'ai roulé dessus. On est bien là. Joli là. On descend en face? Non? Ouais. Mais c'est quoi cette merde au fait? Ouais, mais ça sert à quoi cette merde? À donner l'heure. À donner l'heure, ok. Au quoi? Aux biches? Non, là. Ok. Les mecs, ils avaient rien d'autre à foutre dans leur vie, hein, franchement.
Ouais, j'aime bien moi. C'est ce qu'il me faut ça. On est au château quoi. Là c'est le château. Bon, on peut récupérer le petit truc dans l'autre sens. Hein. Là, il y a de la flotte sous la pelouse. À mon avis, il y a moyen de rentrer. Hein. Le chemin il est là-bas. Le chemin est là-bas. Le chemin il est là-bas. Non, non, il faut le prendre comme ça, il est là-bas. Oui, mais dans l'autre sens, il sort de là-bas. Ah, donc on descend ici. Oui. On reprend à deux du château. Attends, on va quand même essayer par là, parce que là, c'est casse-gueule quand même. Et puis on prend à gauche au château. T'as soif, Macaille? T'as soif? Quoi? Ben ici, on tire par là. Hein.
Là, on arrive sur la droite, hein. Ça marche toujours autant ce truc ou quoi? Moi tous les par semaine, j'imagine que tous les week-ends ça doit être plein. Je crois que c'est directement ici, tu sais. Là je m'enfonce mais grave. Tu passes ?
Ouh. Il est où mon coco là? Là il est là. T'as battu ton record la semaine d'il y a 15 jours. Hein. Quoi? T'as battu ton record kilométrique d'il y a 15 jours. Oui. En formidable. J'irais presque dire olympique. Hein. Oui. Ou paralympique. Et dans l'autre sens, c'est moins drôle. Hein.
problème. C'est tombé ou ils ont coupé comme ça, comme des porcs là. Ouais. C'est vraiment tout et rien, hein. Soit c'est de la merde ou soit c'est dur comme du caillou. Droite, gauche. Gauche. Où ça, je vais par où? À gauche. Ah. Et bah, déjà là, ça va pas passer. En tout cas, pas pour moi. Non? Ça zip. On fait une boucle, hein. C'est une boucle, on est passé par là. Bon. Ouais.
On est descendu ici et on a pris à droite après.
Cuve ton vin, poivreau, va. Cuve ton vin, poivreau. T'as la gueule. T'as une de ses gueules, mec. T'as bu quoi, hier? Qu'est-ce que t'as bu, hier? Mais du vin. T'as pas fait le gros lourd avec les Irish et toute sa merde. Oh putain. Ça va, ça. T'es un mec de la raison, là, maintenant. Ouais, je sais pas si ça va monter, ça, tu sais. Ça va être à pied, ça. Ça va être à pied. Et peut-être que la descente aussi, là, tu vois. Peut-être que la descente aussi, tu vois. Même pas envisager quoi que ce soit là, tu vois. Non, ouais. Mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai qu'au niveau tapette, je me pose là. Et Corinne, avec son sens de l'humour, tu vas pouvoir enfin t'entraîner. Elle me dit, tu vas pouvoir t'entraîner sérieusement cette fois-ci. En haut ou en bas? Je sais pas où on est. Je sais qu'on tourne plus ou moins en haut, mais. Maintenant, les directions. T'as vu ma nouvelle veste là? Je me suis cassé la gueule, tout arraché. Hein. La nouvelle? Ouais, c'est une nouvelle, tout nouveau quoi. Ouais, j'en ai acheté une autre. Il y a la route de l'été. Ouais, mais c'est des clowns ça. Non, ce sont pas des clowns. C'est mignon. Ouais, mince. Attention, pour l'instant, j'ai des phéromones. J'ai un peu l'impression que ça va me suivre. T'es perdu? Si t'es perdu, je suis ta boussole. On prend le chemin inverse des Zoulous, là. Bonjour. Allez, go. Jean-Michel qui est arrêté, pour l'instant. En bas ou en haut? Allez, go! Plus facile en bas pour ça.
problème, c'est que j'ai tellement de buée que je vois que dalle. J'ai tellement de buée que je vois que dalle ici. Mais non, c'est le fait de m'arrêter que je... Espèce de clown, quoi. Tu me fais souffrir. Ouais, c'est ça. Ok, alors. Bah ouais, à droite. Non, mais là, j'aime pas moi, ces trucs d'ongiline comme ça. Bon, ok. Tu me dis à droite, il y a un chemin, puis tu me dis non, tout droit. Non, mais tout droit. Tu veux mon bonheur? Mon bonheur, c'est un petit verre de vin blanc, mec. De toute façon, ça va nous mener... Ouais, c'est la même chose, hein. Tu sais, on va le prendre plus loin. Ouais, tu... Ouais. Ouais, sur internet. Bah ouais. 115 balles, ça coûte cette merde. Ta culotte? Ouais, je remets tout le temps mes petites culottes. Tu tournes avec combien? Deux en fait? Ouais, deux, ouais. Pour l'instant, deux, ça dépend. Ça dépend le... Le Non, non. Pas forcément, oui. Il a fait magnifique. Tes retours, vous avez le canon. Parce que vers 4h cette semaine, c'était grand bleu, quoi. Ouais, ben grand bleu, je rentre directeur à la maison, hein, je suis frigo. Ouais, tu devrais presque inverser ton tour. Ouais, mais je fais comment pour emmener la bouffe? Ouais. La bouffe, j'ai la bouffe avec. Hein. Ah, ok. Alors putain, tu sais que tu vas devoir commencer à dépenser ta l'argent de l'air. C'est ce que Corinne me dit. Bah, ça peut pas ça. Là, je suis mal embarqué. Hein? Non, mais je me suis laissé descendre parce que j'avais pas vu le jus. Ouais, j'entends. C'est vrai que. On va devoir aller faire des courses. Il y a un jour de stockage. Non, mais tu. Comment dire? Pour tout ce genre de conneries-là, le pain blanc a été mangé. Hein. De quoi? Maintenant, il faut bouffer les croûtes. Hein. Ah ouais. Ben, ça va, quand t'as mangé le pain blanc, c'est pas grave. Non, je te dis, hein. C'est un bien. C'est un bien. T'as vu où on arrive? Ouais. Et quoi, tu me dis que c'était prévu peut-être? Ah. Qu'on arrive ici? J'avais quand même fait l'aventure. Non, je pense qu'on va venir plus souvent manger chez toi parce qu'on mange bien. Famille fait bien bouffer. Donc on va squatter un peu plus souvent, quoi. Il y a du vin, donc tu peux m'attirer. Il y a de la bouffe, tu peux attirer Corinne. Mais s'il y a du réseau, t'attires Maël. Ouais, c'est bon. Bon, maintenant, tous les jours, je sais pas si ça va être très drôle. Petit déj.
Mais de rien, t'as déjà les jonquilles qui sortent là, les narcisses. Ouais. T'as déjà les narcisses qui sortent. Ouais. Ouais, moi j'ai vu les crocus sortir chez moi, mais ils ont cramé directement. C'est déjà fini? Non, c'est pas grave. Non, c'est bien là, 17 km plus rentrer, 17, on va faire 20. Fallait que j'ai transpiré, mais presque. Là, t'as pas transpiré, c'est normal. Moi, ouais. La semaine passée, j'ai transpiré. Je veux dire que la semaine passée, j'ai transpiré. Je vous ai fait peur? Vous avez eu peur? Ah, ok. J'ai fait peur à une dame. Ça va, tant que je leur fais peur, c'est bon quoi. Faut qu'elle me. Non, c'est bon, mec, laisse tomber. C'est bizarre, je ne le sens pas. C'est féminin. Ouais, c'est demandé à Fanny. Cette année, un peu, elle se laisse pas embarquer dans le délire pareil. Quoi. Non. Trois jours, on fait du temps. C'est à ce moment-là, c'est que c'est toi qui n'as pas fait ce qu'il fallait. Ah oui, oui. Ça, sûrement. Mais... ce que je suis sûr et certain, c'est des choses qui s'établissent, tu vois. C'est des choses qui s'établissent. Allez, pousser un peu plus fort. Là. C'est pas plus que ça.
tu veux, ma caille. Ce qui serait pas mal, c'est de revenir par... Ouais, mais si c'est pas cool, ça sert à rien, tu vois, vaut mieux prendre plus loin alors. Non, je m'étais dit, on rentre par... Tu vois, quand on longe tout le mur entre la chaussée et l'autoroute, et on arrive à, ouais, on arrive à ce chapelle musicale. Ouais. Et puis on passe le pont, on est à Waterloo et on y est. Comme tu veux, ou par là, je sais pas ce que ça peut donner d'autre. Là, c'est tout droit, on arrive au... au Clacot. Comme tu veux, franchement, ça, tu gères. Tu gères. Il est 11h. Oui, c'est l'heure de rentrer. Ouais. Non, puis c'est roulant par là, ça va pas nous ralentir. Hein. Monte. Ouais, ça passe en force ici, hein. En plus, le terrain est parfait. Vas-y, monte. Allez, pousse. Mais pousse, feignasse. T'es belle dans l'effort. Ah. Allez, pousse, feignasse. Ah. Allez, viens. Thank you.
j'ai transpiré un peu. Là, j'ai transpiré. Ouais, c'est 2%, c'est pas énorme. C'est que 2%. Bah, ouais. J'ai vraiment monté à fond. Ah ouais. Là j'ai pompé grave. Il est stylé le mec. Les shorts et tout, stylé. Collègue. Ça y est, faire au monde. Arrête de boire, mec. Non, bien. En plus, je me suis bien cassé la gueule là, c'était vraiment sympa. Je l'ai pas vu venir. Celle-là était très belle. Ouais, franchement. En général, c'est les petites connes sur le côté. Là, se passer au milieu. La vie, t'as pas mal. Non, j'ai. Par contre, ma roue, là. Je crois que ma roue a morflé à l'avant, je crois. Que je dois avoir gondolé, là. N'imagine même pas. N'imagine même pas. Ouais, ça c'est pas grave, les jambes c'est pas grave, du moment que t'as encore ton dos. Ouais, mais... Une partie de la solution, c'est de faire ton sport et de gainer, hein. Une partie de la solution, c'est de faire le sport et de gainer, hein. Et là, pour l'instant, tu gagnes plutôt ton foie. Là, t'es occupé à le gainer, à le siroser même. Donc, il y a des choix à faire, hein. Mais non, ça va, j'ai déjà plus. Ah oui, non, mais ça, j'imagine, hein.
degrés. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Je vais mettre la lampe dans la salle de bain. D'habitude, on a toujours le feu. Ouais. C'est rare qu'on le passe. Comme une petite fleur. Yeah. Toi, tu fais quoi? Ouais, ma mère. T'avais le vélo. T'as à manger. Ouais, je sais pas. J'ai envie de câlin, donc à mon avis, je vais faire un câlin. Je vais faire une tentative. D'homme amoureux, tu vois. Tentative d'approche. Ouais, mais ça va, je sais comment arriver. Je connais les faiblesses, tu vois. Non, puis je l'ai vu ce matin, c'est open, quoi. J'ai vu ça que c'est open, quoi. Ouais. T'as chopé, t'as déchiré, ça. Non, pas comme ça, mais. Ça va bomber. Il y a des trucs que tu sens, quoi, t'as pas besoin de parler, quoi. Non, sur Corinne, ça marche plus. Ça a marché un moment, mais... Si sur une personne, ça marche plus, c'est sur elle. Sur elle, ça marche plus. Hein. Ça, c'est ton poids qui te donne de l'avantage dans la descente. Allez, pousse. Pousse. Thank you.
Ah, c'est juste pour dire qu'on va salir le vélo, quoi. Tu vois, on les avait pas salis, mais là on va être obligé. Ça, c'est le mec qui veut, quoi. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Merdasse, quoi. Parce que la fois passée, on était revenu par gauche.
Pour le même prix, j'étais par terre. Ouais. Pour le même prix, j'étais par terre. T'as vu ce matin comment on passait à fond de balle? C'est un peu dégelé, c'est de la merde maintenant. Quelle mélasse.
Oh putain, dis. Et pourtant, on est passé tout à l'heure. Quand on est passé, c'était tellement glacé. Incroyable. Ouais, t'as, il fait. Au même prix, je me casse 10 fois la gueule. Ouais, ça va, sympa quand même. Hein? C'est sympa quand même la petite sortie. Ouais. Mais du bien quoi. Reposant. Bon, ça va, t'as pas poussé non plus. Hein. C'était pas très très physique. Merci. Bah quand même, hein, 28 km. Bon, c'est roulant. Hein. Roulant quand même quoi, les petits chemins étaient roulants. On n'a pas pris les pistes. Hein. Bon allez. On n'a pas pris les boulevards. La nouvelle voiture. C'est joli aussi en tout cas. Bah, il suffit de retirer le truc et j'ai. Ouais, ouais. Mais je sais pas où le mettre, sinon je le ferai. Un garage pour ça. Quoi? Pour un garage. Ouais. Et ta voisine, quelle nouvelle? Le 9 mars. Oh, mais c'est bientôt là. Le 9 mars, on sera à quoi? On doit lui renforcer de l'argent, on doit rappeler des notes, on doit se faire. C'est vrai? Ouais.